Alléluia. Est-ce qu'un enfant de BCK peut louer le Seigneur? Ah. Un enfant de Dieu ne peut pas recevoir de miracles s'il ne développe pas ces trois choses. Le règne, la puissance et la gloire. La dernière fois, nous avons expliqué que le règne, c'est quoi? C'est la manifestation du Saint-Esprit qui descend dans la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu, et qui lui donne de pouvoir combattre l'ennemi. Lorsque le règne arrive, les forces des ténèbres sont ébranlées. Lorsque le règne descend, les forces des ténèbres sont repoussées. Aujourd'hui, quelqu'un a besoin du règne de Dieu. Pourquoi? Parce que ta vie tourne en rond. Et lorsque le règne descend, on voit que ce règne repousse l'ennemi. Aujourd'hui, nous parlons maintenant de la puissance. La puissance vient du mot grec dunamis. Dunamis qui parle effectivement d'un pouvoir exécutif que Dieu donne afin de pouvoir envelopper son oint, envelopper son enfant, envelopper quelqu'un. Et nous avons dit que l'enfant a droit au règne. Mais quand tu dois monter dans la dimension de la puissance, là on parle maintenant du fils. Tu ne peux pas donner une arme à feu à un enfant. Dis amen. À un enfant, on donne un jouet. À un enfant, on peut le protéger. Mais quand quelqu'un est un fils, il peut savoir comment manier une arme. Quand tu entres dans la dimension de fils de Dieu, Dieu te donne le dunamis, la puissance. Parce qu'il sait que la puissance est activée à partir de la parole que tu connais. La puissance de Dieu est en accord avec sa parole. À qui Dieu donne le dunamis? À ceux qui ont le cœur pur. À qui Dieu donne le dunamis? C'est comme en fait les personnes qui font le karaté. Est-ce que vous savez que lorsque tu fais le karaté, arrivé à certaines dames, à certaines ceintures, on te dit, monsieur, tu ne dois pas te battre avec tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as le dunamis, tu as une certaine puissance qui est capable de tuer. Donc tu dois faire attention. Donc Dieu ne s'amuse pas à donner le dunamis à tout le monde. Mais il donne le dunamis à quelqu'un qui a le cœur plongé dans les Écritures. Tu n'attaques pas parce qu'il faut attaquer. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a frustré dans le quartier, il t'a frustré dans la maison. Automatiquement, tu dis, non, tu vas mourir. J'envoie la puissance de Dieu. On n'envoie pas la puissance de Dieu partout. Pour la simple raison que nous avons la parole. Dis amen. Quand tu veux le dunamis, quand tu veux la puissance de Dieu, il te faut avoir le contrôle de toi-même. Et cela se fait par la parole de Dieu. Lisons ce que le dunamis est capable de faire en Luc 1, verset 35, en parlant de la Vierge Marie. Écoutons. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Qui viendra? Le Saint-Esprit. Qui donne le dunamis? Qui donne le dunamis? Qui donne la puissance? Le Saint-Esprit. Qui fait descendre la puissance? Le Saint-Esprit. Continue. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut. Te couvrira de son ombre. Te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant. C'est pourquoi le Saint-Enfant. Qui naîtra de toi. Qui naîtra de toi. Sera appelé Fils de Dieu. My God. La puissance du Très-Haut. Ce n'est pas une puissance d'un homme, c'est la puissance du Très-Haut. En fait, ce que Dieu utilise pour être Dieu, il te donne cela, le dunamis, sa puissance, afin que toi aussi, tu commences à établir la victoire. Alléluia. Il dit à Marie, ne t'en fais pas. C'est vrai que quand tu regardes, c'est impossible. Quand tu regardes, ce n'est pas possible. Mais le dunamis, la puissance du Très-Haut, va descendre sur toi et tu enfanteras. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, tu enfanteras une gloire, tu enfanteras une bénédiction, tu enfanteras un miracle, tu enfanteras un témoignage, tu enfanteras. Le dunamis est cette force spirituelle, surnaturelle, qui accomplit des miracles. Voici l'histoire de Marie. Marie est une personne qui va recevoir le dunamis de Dieu. Et l'ange Gabriel va lui rendre visite. Et l'ange Gabriel va dire, Marie, salue-toi à qui une grâce a été faite.
tu tomberas enceinte. Mais le problème, c'est que Marie ne comprend pas. Comment je peux tomber enceinte si je ne connais point d'homme? Comment je peux me marier? Comment je peux me marier si je n'ai pas encore de fiancé? Comment je peux travailler si je n'ai pas encore un diplôme? Comment je peux enfanter lorsque le médecin me dit que mes trompes sont sectionnées? Comment je peux enfanter pendant que mes ovaires ont un problème? Elle parle à l'ange, elle parle à Dieu. Mais l'ange répond, le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut, le dynamis descendra sur toi. À quel moment j'ai besoin du dynamis? Lorsque les hommes ont fini de parler, mais que Dieu n'a pas encore parlé. À quel moment j'ai besoin du dynamis? Lorsque le médecin me dit, tu ne peux pas enfanter, mais que Dieu me dit, tu vas enfanter. Le dynamis de Dieu brise le protocole. Lorsque la puissance de Dieu descend sur toi, le protocole est brisé. C'est quoi le protocole? Elle dit, je ne connais point d'homme. En un mot, pour tomber enceinte, il faut connaître un homme. Ici, le mot connaître veut dire aller sexuellement avec un homme. Mais Marie dit, je ne connais point d'homme. Quelqu'un dit, pour travailler aujourd'hui, il faut avoir un parent bien placé. Mais Marie dit, je n'ai pas de parent bien placé. Quelqu'un dit, maintenant pour voyager, il faut voir quelqu'un qui connaît quelqu'un à l'ambassade. Mais Marie dit, je ne connais personne à l'ambassade. Alors l'ange dit, mais Marie, tu ne sais pas que tu as la meilleure relation. Le Saint-Esprit, le dynamis va tomber sur toi et tu vas commencer à enfanter. Lorsque le dynamis s'apprête à venir, Dieu envoie un ange qu'on appelle Gabriel. Et j'ai déjà enseigné une chose. J'ai dit que Gabriel est un ange qui n'a pas des ailes. Parce que son nom Gabriel signifie Gabri, qui signifie humain, homme. Et elle, qui signifie éternel. En un mot, l'ange de l'éternel au visage d'homme. À chaque fois que tu verras Gabriel dans la Bible, on parle de lui comme un homme. Abraham vit trois hommes. Jacob lutta avec un homme, Gabriel. Et ce matin, Dieu me dit de te dire, après que tu reçoives le dynamis, après ce message, Dieu va apporter un homme dans ta vie, un Gabriel qui va t'aider à réussir, un Gabriel qui va prophétiser, un Gabriel qui va t'élever, un Gabriel qui va t'aider. Si tu dis amen, tu es béni. Hein, Gabriel, quand le dynamis descend, Gabriel est activé. La puissance de Dieu peut envoyer Gabriel au marché pour que ton commerce puisse évoluer. La puissance de Dieu peut faire descendre Gabriel au comptoir du visa pour qu'on puisse te tamponner dans ton passeport. Lorsque Gabriel arrive, Gabriel, ce n'est pas forcément un ange qui descend devant toi. C'est Dieu qui active sa faveur dans la vie d'un homme pour t'aider. À chaque fois que Dieu prend un homme pour aider un autre homme, Gabriel est activé. Et je dis à quelqu'un, cette semaine, tu rencontreras Gabriel. Cette semaine, tu rencontreras Gabriel. Cette semaine, Gabriel va t'appeler. Ton téléphone va sonner. Dis avec moi, j'ai besoin du dynamis de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Oui, Marie était d'une famille qui n'était pas connue. Marie vient d'un endroit qui n'est pas huppé. Marie vient de Nazareth, un quartier, comme on dit chez nous, en griffe, poto-poto. Marie vient d'un endroit qui n'a ni renommée, mais les yeux de Dieu l'ont localisé. Qui t'a dit que la localisation dépend de ta famille? Je tiens à dire à quelqu'un, même si ta famille a un problème, toi, Dieu t'a fait rentrer dans la famille pour que, à partir de toi, le problème se casse. Oh non, tu ne comprends pas ce que je prêche. Je dis à quelqu'un, à partir de ce matin, la malédiction sera cassée. Le problème sera cassé. Le célibat sera cassé. Les situations d'humiliation seront cassées. Pourquoi? Parce que Dieu a suscité un homme, une femme comme toi. À cause d'Esther, le peuple de Dieu a survécu. C'est une seule personne que Dieu envoie. Une seule personne que Dieu suscite. Et toute la maison est gagnée, my God. Il dit dans sa parole, crois et tu seras sauvé, toi et ta maison. Qui croit? Pas nous tous, mais quelqu'un a cru et une famille a été sauvée. Qui croit? Toi ce matin, mais tes enfants seront sauvés. Qui dit amen? C'est toi, mais ta famille sera sauvée. Qui dit amen? C'est toi, mais tes enfants vont prospérer. Qui dit amen? C'est toi, mais tes frères vont commencer à se marier. Dis amen. Alléluia. Gabriel,
Il arrive dans la vie de Marie. Marie ne craint aucun mal. Le dunamis descendra sur toi. Et tu enfanteras. Et tu enfanteras. Quand le dunamis descend sur toi, le protocole est brisé. Partout où tes amis passaient pour obtenir, toi tu ne passeras pas par là, mais tu obtiendras. Quand le dunamis de Dieu te visite, ton histoire ne ressemble pas aux autres. C'est pourquoi on dit, avec Dieu je ferai des exploits. C'est quoi un exploit? C'est qui choque tout le monde. On sait que pour arriver à A, il faut passer par ici. Mais toi, tu n'es pas passé par là-bas. Mais on te retrouve là-bas. J'ai dit à quelqu'un, quand ton temps de Dieu arrive, quand le temps du dynamis arrive, les gens de ton entourage te traitent de magicien. Ils ne comprennent pas comment Dieu peut élever quelqu'un à ce niveau. Mais j'ai dit à quelqu'un, tu vas étonner les sorciers de ta famille. Tu vas étonner les méchants. Tu vas étonner ceux qui te veulent du mal. Tu vas les étonner. Tu vas les étonner. Cette semaine, info, les gens seront obligés de voir la gloire de Dieu sur ta vie. My God, lorsqu'ils vont allumer leur radio spirituelle, c'est ton nom qui sera là-bas. Lorsqu'ils vont allumer la télé spirituelle, ton mariage va sortir. Lorsqu'ils vont aller sur l'internet spirituel, la gloire de Dieu va te visiter. Oh, je dis à quelqu'un, aucune main ne peut t'arrêter. 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 Quand le dynamis de Dieu est sur ta vie, aucune main ne peut t'arrêter. Je paralyse ce soir la main de celui qui te paralysait. Je paralyse ce soir la vie de celui qui te paralysait. Je ne sais pas qui a paralysé la vie de Marie, mais quand le dynamis descend, celui qui te paralyse est paralysé. Celui qui te poursuivait est poursuivi. Dis amen. Alléluia. Dis Seigneur, j'ai besoin du dynamis. J'ai besoin du dynamis. La puissance de Dieu. Tu as visité Marie. Tu as visité Marie. Tu l'as pris du fumier. Tu l'as pris de la boue. À cause de la puissance. Et tu l'as fait asseoir à la table des grands. Cette femme qui était inconnue, cette femme qu'on ne connaissait pas, tu l'as visitée un matin. Elle s'est réveillée un matin. Elle s'est dit certainement, ma journée va finir comme hier. Mais tu l'as surprise. Ce matin, tu t'es réveillé. Tu dis certainement, mon dimanche va finir comme le dimanche passé. Mais le dynamis de Dieu va atterrir dans ta vie. Le dynamis de Dieu va atterrir dans ta vie. Le dynamis de Dieu va atterrir dans ta vie. Kababa, sainte les bouches. Daria Baba, Sandala Baha, Libro Kaba Baba. L'ange Gabriel dit à Marie, maintenant que le dynamis est là, Marie, est-ce que tu sais que Nazareth ne te ressemble plus? Est-ce que tu sais que Nazareth ne te ressemble plus? Dans la profondeur du mot Nazareth, on trouve la gardienne qui garde et qui empêche que tu te maries, qui garde ta vie et qui empêche que tu ne prospères. Il dit, maintenant tu sors de Nazareth, mais tu iras vers les montagnes de Juda. Juda signifie la louange. Tu sortiras des problèmes, des blocages, et tu iras vers où tu vas adorer, louer pour ton témoignage. Écoute-moi, il y a toujours un gardien dans le monde des méchants qui veille à ce que ce qu'ils ont prophétisé sur toi puisse se réaliser. En un mot, s'ils ont dit, tu ne te marieras pas, il y a quelqu'un qui doit veiller à ce que tu ne te maries jamais. Oh, oh, pourquoi Dieu dit, en Marc chapitre 11, allez dans le village qui est devant vous. Vous trouverez qui? Une ânesse attachée avec un ânon. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un, vous avez lu ça? Si quelqu'un vous dit quelque chose, dites que ce n'est pas ton camarade qui nous envoie, hein, c'est le maître. Et il vous laissera. Qui est ce quelqu'un? Il n'a pas de nom, mais c'est le gardien. On a attaché l'âne. Mais il y a quelqu'un qui doit veiller à ce qu'il ne se détache jamais. On t'a lancé le célibat. Il y a quelqu'un qui veille pour que tu ne te maries jamais. Tu rencontres des gens qui doivent te marier. À un moment donné, ils ne t'appellent plus. Parce que le gardien vient détacher. Quelqu'un attrape ta main. Je vais t'envoyer à la mairie. La personne vient, il enlève ta main dans sa main. Spirituellement, il enlève ta main dans sa main. Et toi, le matin, tu vois que la personne ne t'appelle plus. Tu appelles, ne décroche plus. J'ai fait quoi? J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas toi, c'est le gardien. Quand il voit que ta vie avance, il enlève. Quand il voit que tes enfants avancent,
il enlève. Quand il voit qu'il y a une amitié dans ta famille, il vient créer la cisanie. Quand il voit que tes enfants t'aiment, il les envoie dans la drogue. Mais quand le dynamisme descend, le gardien ne peut pas t'arrêter. La Bible dit, un jour, un homme, le plus beau, le plus puissant, le plus majestueux, va mourir comme un homme et va entrer dans le tombeau. Premier jour, pas de réponse. Deuxième jour, pas de réponse. On appelle, il ne décroche pas. Le troisième jour, des femmes ont appelé. Il a décroché. Il est sorti du tombeau. Mais la Bible déclare que lorsqu'il est sorti, il y avait des gardiens. Et la Bible dit que les gardiens étaient couchés, hypnotisés, comme morts. Ils le voient sortir, mais ils ne peuvent pas l'arrêter. Quand le temps de ton miracle sonne, les gens te voient, mais ils ne peuvent plus t'arrêter. Les gens te voient, mais ils ne peuvent plus t'arrêter. Il y a toujours deux cas dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Joseph a révélé ces deux positions. Les positions des gerbes et les positions des étoiles. Il dit, j'ai fait un songe, le songe des gerbes. Il n'a pas fait en premier le songe des étoiles. Il a commencé par le songe des herbes. C'est quoi l'herbe? C'est ce qui pousse par terre. C'est quoi l'herbe? Ce qui n'a pas une grande taille. C'est quoi l'herbe? Ce qu'on foule au pied. C'est quoi l'herbe? Ce sur qu'on crache. C'est quoi l'herbe? Ce sur qu'on fait pipi. C'est quoi l'herbe? Ce qui est diminué. Mais après ce niveau, il a fait un autre songe où c'était les astres. C'est quoi les astres? On lève la tête, on regarde, mais on ne peut pas toucher. Ta gloire est comme un astre. On regardera, mais on ne touchera pas. Ta victoire est comme un astre. On regardera, mais on ne touchera pas. Les sorciers de ta famille regarderont ton mariage, mais ne pourront pas touche. Que bababa sondabaya braba kapaya lebo kapate. Je prophétise cela sur ta vie. Que Dieu brise le protocole. Si tu dis amen, tu reçois. Que Dieu brise le protocole. Si tu dis amen, tu reçois. Comment le dynamisme se manifeste? Marie a compris toutes ces choses. Il y a déménagement. Quitter un point A vers un point B. Ce matin, la puissance de Dieu va te faire déménager. Ce que ton père n'a pas fait pour toi. Ce que ton oncle n'a pas fait pour toi. Ce qu'un parent bien placé n'a pas fait pour toi. Ce qu'un ami d'enfance qui est ministre n'a pas fait pour toi. Dieu va te déplacer. Ce n'est pas le père de Marie qui l'a aidé. Ce n'est pas sa mère qui l'a aidé. C'est l'ange de Dieu. David dit, tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Même quand tout le monde ne peut pas t'aider, il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de t'aider. Elle a déménagé. Elle a. Mais est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose quand vous lisez la parole de Dieu? Surtout ce passage. Marie la veille n'a pas prévu de déménager. Un matin, elle sort, elle croise l'ange Gabriel. Il lui dit, aujourd'hui, rassemble les casseroles. Elle dit, mais je ne me suis pas apprêtée. Rassemble, parce que tu déménages. Pour déménager, le déménagement de Dieu, on ne prépare pas ça. Le déménagement de Dieu, c'est lui-même qui te surprend. Ce matin, ne dis pas, est-ce que c'est possible? Je dis spirituellement, tu passes de la vallée à la victoire. Spirituellement, tu passes du célibat au mariage. Spirituellement, tu passes de la maladie à la guérison. Tu déménages au nom de Jésus. Il y avait quoi? Déménagement. 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 Pour mes enfants. Déménagement. Pour ma vie. Déménagement. Oh, oh, oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont partis le matin. Ils ont vu Marie au puits. Ils viennent le soir frapper à la porte de Marie. Personne ne répond. La petite cabane de Marie. Personne ne répond. C'est comme ça que j'ai compris le cantique qui dit, ne me cherche plus là-bas. Il y a longtemps. J'ai déménagé. Elle n'était plus maintenant à Nazareth. Elle était maintenant à Juda, la grande ville. Juda, les montagnes de la louange. Je vais dire à quelqu'un, ils t'ont vu quelque part. Mais après ce message, ils ne te retrouveront plus là-bas. Ils ne te retrouveront plus là-bas. Ils ne te retrouveront plus là-bas. À qui je parle? À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? Alléluia! Tu vas déménager. Quand le dynamisme descend, c'est là que tu comprends que le fait que Dieu te retarde, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est à cause de la qualité du miracle. Je disais à une de mes filles, la semaine passée, elle pleurait. Papa, je ne comprends pas.
Papa, j'ai demandé quelque chose à Dieu. J'ai demandé une bénédiction. Je lui ai dit, ma fille, tu sais, cette affaire de gloire, là, cette affaire de miracle, là, c'est comme une maison. Agé 2, verset 9. La gloire de la seconde maison. Donc, la gloire est une maison spirituellement. Mais tu sais, il y a plusieurs sortes de maisons quand tu sors. Il y a des villas basses. Il y a des studios. Il y a deux pièces. Il y a trois chambres salons. Il y a immeubles. En fonction du temps, on parle de la grandeur. Le temps qu'on prend pour faire un studio n'est pas le même temps qu'on prend pour bâtir un immeuble. Donc quand Dieu tarde, ce n'est pas parce que tu es dernier, mais c'est à cause de l'immeuble qui va sortir. La maison basse, on regarde ça vis-à-vis. Mais l'immeuble, on regarde ça haut. Je veux dire à quelqu'un, ceux qui te regardaient en bas vont changer de position après ce message. Ils te regarderont en haut. Ils te regarderont. J'entends pas. Où ça? Dieu a dit à l'ange Gabriel, va. Et quand l'ange Gabriel a parlé à Marie, Marie a enfanté. Mais elle a enfanté qui? Elle a enfanté qui? Il y a des enfants, quand tu les enfantes, ta vie change. Béni soit la mère qui t'a poussé au monde. Béni soit le père qui t'a enfanté. Parce que après ce message, il connaîtra qui tu es réellement. Ton père ne mourra pas sans voir la gloire de Dieu. Ta mère ne quittera pas ce monde sans goûter au fruit de ta vie. Dis amen au nom de Jésus. C'est pas enfanté, enfanté, enfanté. La lionne enfante des lionceaux. La chienne fait beaucoup de chiots. Mais l'éléphant, il fait un. Il prend du temps, mais il fait un. Mais son un là, on ne peut pas soulever. Son un là, quand il marche, la tête tremble. Ce n'est pas le fait de faire quantité, mais Dieu veut faire qualité. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, tu ne seras pas comme les autres, mais tu auras la qualité. Tu auras la qualité. Papa, il y a longtemps, je ne comprends pas. Je ne me marie pas. Il y a mariage, il y a mariage. Il y a mariage dans R4. Et puis il y a mariage dans des limousines. Il y a robe et il y a robe. Il y a jupette pour se marier. Et puis il y a une robe de princesse pour se marier. Quand Dieu tarde, c'est que ton miracle va se réaliser. Quand Dieu tarde, c'est que Dieu veut faire la qualité. Dis avec moi qualité. Dis avec moi miracle qualité. Miracle qualité. Marie enfante. Mais qui est l'enfant? Jésus. Jésus. Un enfant de qui? Jésus. C'est quel enfant qui naît aujourd'hui? Marie voit ce qu'elle n'a jamais vu. L'enfant est né un matin. L'or que Marie n'a jamais vu. L'argent que Marie n'a jamais vu. Les mages sont venus avec ça. On dit, il y a quoi? Ils disent, nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Il y a des enfants comme ça. Quand tu les mets au monde, ta vie change. Quand tu les mets au monde, tu ne travaillais pas, mais tu commences à travailler. Quand tu les mets au monde, tu étais malade, mais tu guéris. Les enfants de bonheur, les bénédictions de bonheur. Ce matin, tu vas enfanter un miracle qui va te soulever. Tu vas enfanter une gloire qui va te... Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Alors, si je veux le dynamis, comment faire? Numéro 1, il faut avoir ce qu'on appelle la virginité. Ce qui a permis à Marie d'avoir le dynamis de Dieu, c'est la virginité. Il dit quoi à Gabriel? Tu iras dans la maison d'une vierge. Donc la virginité de Marie a parlé en sa faveur. Ce matin, je peux entendre virginité comme quoi? Comme sanctification. Une vie à part. Marie ne se mélange pas. Tu veux le dynamis? Ne te mélange pas. Mes amis ont iPhone. Mon ami, si tu vends ta destinée pour un iPhone, c'est que tu n'as rien compris. iPhone là, son 11 est en train de passer. Ils vont faire son 14, son 17. Souvent quand je vois les téléphones d'aujourd'hui, je me pose la question, et ceux qui ont vendu leur miracle pour les téléphones Nokia d'il y a 4 ans? Quand Nokia était sorti, voilà, ça était André Igname. Mais chacun voulait Nokia. Chacun, qui connaissait ça? Bon, Nokia même, il était bon. Ericsson. Ericsson. Il était grand. Il était grand. Mais on voulait ça. Combien de femmes, combien de personnes
Combien de personnes qui se sont manifestées, qui ont vendu leur gloire pour les anciennes voitures. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles qui sortent. Ne vends pas ta gloire pour la mode. Jésus ne te donne pas la mode parce que la mode va finir par passer. Mais Jésus te donne un style de vie. Vous savez, la mode passe, mais le style reste. Le style ne passe pas. Quand quelqu'un garde son style, il garde son style. Mais la mode, les modèles des femmes de avant, tu ne pourras plus les retrouver. Mais le style de la femme, tu pourras retrouver cela. Ne vends pas ta gloire pour la mode. Parce que Jésus dépose dans ta vie le style de vie. Dis Amen. Je veux entendre ton Amen. Marie avait quelque chose, l'obéissance. Tu veux le dynamis? Sois obéissant. Parce que quand Dieu donne le pouvoir à quelqu'un, il veut qu'il soit obéissant. Quand Dieu dit assieds-toi, assieds-toi. Mais tu donnes le pouvoir à quelqu'un, quand tu lui parles, il va t'écouter. Tu donnes une arme à quelqu'un, quand tu lui dis laisse, il ne veut pas laisser. Toi-même, tu es en danger. Il dit non, je vais tirer sur toi-même. Toi-même, je vais tirer sur toi. Le dynamis, il faut l'obéissance. Tu veux la puissance? L'obéissance. Marie était une personne discrète. Tu veux le dynamis? Ferme un peu ta bouche. Marie a vu l'ange. Tu as une fois lu quelque part qu'elle expliquait ça à quelqu'un? Marie, une grande femme. Une grande femme. Sur qui on doit prendre exemple. Marie savait fermer sa bouche. Elle est arrivée chez Élisabeth. Elle n'a pas dit, hé hey, Élisabeth, ce que je viens de voir. Tout à l'heure, j'ai vu un ange. Il m'a parlé. Ce qu'il m'a dit. Hé, hey, non, non, non. Non, Marie n'a pas fait ça. Elle a gardé, elle a avalé son affaire. Elisabeth la salue. Son ventre tremble. Elle dit, aïe. Il t'a salué et l'enfant qui est dans mon ventre a tressailli. En temps normal, si on dit ça à quelqu'un ici, elle va dire, ah, Seigneur, merci. Je n'ai même pas encore parlé. Toi-même, tu parles. Je n'ai même pas encore fait quelque chose. Toi-même, tu as agi. Qui t'a demandé? Il y a des personnes à qui tu ne donnes pas de miracle parce que tu parles trop. Dieu commence quelque chose, tu parles. Tu n'as pas vu tes menstrues pendant juste une semaine, deux semaines. Tu informes toute ta famille que maintenant je vais enfanter. Qui t'a envoyé? Le dynamis, il faut la discrétion. Dieu t'a béni, sois discret. Dieu est en train de t'élever, sois discrète. Pour que ce qu'il veut faire là, ça puisse se réaliser. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis avec moi, je fermerai ma bouche. Encore. Encore. Dernière chose, Marie était une femme qui aimait Dieu. Une femme à qui on dit prends tes bagages et puis va quelque part. Elle obéit en même temps. Pour elle, Dieu passe avant Joseph. Elle n'a pas dit ange, il faut aller expliquer ça à mon mari. S'il a accepté, puis je vais accepter. Tu as lu ça dedans? Elle dit il n'y a pas de problème. Parce que le mari, je dois le respecter. Mais un mari qui m'empêche de louer mon Dieu, je ne peux pas accepter. Oh. Parce que le mari, là, il peut se remarier après ma mort. Oh. Mais l'ami fidèle là, qui est avec moi, c'est Jésus. Je ne peux pas renier mon Jésus pour un mari. Mais je respecterai mon mari. Je ne peux pas renier mon Jésus à cause de ma femme. Mais j'aimerai ma femme. Jésus passe avant tout. C'est ce que la Vierge Marie a montré. Elle n'a pas dit. C'est Dieu lui-même qui dit je vais parler à Joseph. Sinon elle là, tu ne veux pas lui. Tu veux laisser. Moi, Jésus est mieux. Dieu est mieux. Est-ce que ce matin tu peux répéter avec moi? Dieu est mieux. Dieu avant tout. Dieu avant tout. Respecte ton homme. Respecte ta femme. Aime-la. Mais je te dis la vérité. Ne prends pas amour de garçon pour charger, pour laisser la main de Dieu. Ne prends pas amour de femme pour charger, pour laisser la main de Dieu. Il est dimanche pour adorer le Seigneur. Ta femme dit non, mais aujourd'hui là, moi je vais aller à Sini, moi ici fatigué. Il dit ouais, c'est vrai, affaire de Jésus. Mon frère, si jamais tu as un accident sur la route à Sini que tu meurs, ta femme peut te sauver. Je ne vendrai jamais ma gloire. Avant ma femme même, avant ma femme, quelqu'un m'a aimé. Son nom c'est. Avant moi, quelqu'un a aimé ma femme. Son nom c'est. Il agira, il me fera haut.
là-bas.